notre ami pour s'attacher à son épouse. Ils deviendront une seule chair, même sans habit, pas question de tabou. Ce vrai grâce quittera ses parents pour s'attacher à sa béoula. Ils deviendront une seule chair, même sans habit, pas question du péché. C'est comme Jésus, notre sauveur, quitta les trônes du Père et s'était attaché à son épouse. À son épouse du temps du soir, Dieu dévoilé devant nous, cela n'est pas un tabou. Dieu du ciel dévoilé, cela n'est pas un péché. Oh Dieu du ciel dévoilé, voilà ce qui bénit l'épouse du soir. C'est pourquoi moi j'ai reçu l'os des maisons. Moi j'ai reçu la chair de ma chair, yeah. Qui sera à mes côtés dans les hauts et les bas, yeah. Qui sera à mes côtés dans les hauts et les bas, chair de ma chair. Nous étions très nombreux, comme Rebecca à la source. Nous étions très nombreuses, mais je n'ai pas compris, mes bien-aimés, comment son choix est tombé sur moi. Je n'ai pas compris, mes frères et sœurs, comment le choix du Seigneur tomba sur moi. Malgré mes défauts, mes erreurs, mais son choix tomba sur moi. Et malgré mes péchés, son choix tomba sur moi. C'est pourquoi vous me voyez aujourd'hui avec sourire aux lèvres. Je vous assure, mes bien-aimés, je manque comment exprimer mon émotion. Oh, moi j'ai reçu l'os des maisons. Hey, venez voir mes amis, la chair de ma chair. Vraiment bon encore.
Que Dieu bénisse ce mariage de maintenant jusqu'à jamais. Lentement mais sûrement, nous ferons un grand foyer. Hey, 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 Notre Dieu vous bénisse. Nous sommes très contents et nous remercions le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a accepté que ce qui était prévu soit fait. Avant de commencer la cérémonie, s'il y a qui veulent entrer, les frères et sœurs à l'extérieur qui veulent entrer, peuvent directement entrer. Ce n'est pas bien de commencer à faire des courses pendant la cérémonie. Nous voulons lire la parole du BDP du mouvement. Matthieu, chapitre 19, commençons à partir du verset 1er, nous irons jusqu'au verset 9. Lorsque Jésus y achevé ses discours, il quitta la Galilée. Il alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Jésus répondit: n'avez-vous pas lu que nos créateurs, au commencement, dit l'homme et la femme, et il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont instinctifs. Et l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joué. Il lui dit: pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? C'est de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier. Jésus leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur
Et Moïse vous a prescrit de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui a épousé une autre, commet un adultère. Dieu, ciel de la terre, nous sommes très reconnaissants pour cette grâce que tu nous as donnée. Le prophète nous a dit, tout est grâce pour nous. Avant la fondation du monde, avec un séjour, nous nous tiendrons ici pour consacrer son mariage. Père, avant qu'on fasse quoi que ce soit, nous venons à toi. Sois le premier. Sois celui qui agira toi-même. Parce que celui qui réunit le mariage, c'est toi, Seigneur. Si toi, Dieu, tu ne fais pas quelque chose, tout ce que l'on fera est mis. C'est pourquoi, Père Saint, viens nous assister. Commence avec nous. Béni tout le monde qui est venu ici pour accompagner ce jeune couple. Béni leurs parents, tant spirituel que physique. Tout ceci pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'invite les couples de se tenir debout. Avant toute chose, Pour qu'elle soit son épouse. Volontiers, j'accepte. Nous sommes ici rassemblés devant Dieu et devant cette compagnie. Pour unir cet homme et cette femme dans un seul mariage. Le mariage, comme Saint-Paul a ordonné qu'il soit honoré de tous les hommes. Donc, pour ce mariage, ce qui est entre
sobriété. Étant la crainte de Dieu, ils ne doivent pas entrer dans ce mariage avec imprudence et légèreté. Dans ce sein-là, ces deux personnes qui sont venues, sont venus pour être bénis. S'il y a des personnes ici qui peuvent montrer une juste cause pour laquelle ces deux personnes ne devraient pas être légitimement unies dans ce mariage. Vous ne pouvez pas dire quoi, papa, quand il y a du chica, il y a du chemin de l'initiative qui va gagner. Voulez-vous parler maintenant? Pignou, n'est-ce pas, papa, n'est-ce pas, papa, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, si il y a quelqu'un, quoi, papa, n'est-ce pas. Je reprends. Si il y a quelqu'un ici, vous l'assistance, quelqu'un qui a une juste cause pour laquelle son mariage ne devrait pas être uni. Et vous parlez maintenant même. Si vous ne le dites pas, désormais et pour toujours, pour ce qui concerne son mariage, taisez-vous et n'en parlez pas. Il n'y a personne. Je vous demanderai à tous deux maintenant. Et je veux vous responsabiliser. Étant donné que vous répondrez certainement au jour du jugement, lorsque le secret de tous lesquels seront révélés. Si l'un ou l'autre d'entre vous connaît quelques obstacles, pensant que vous ne devez pas être légitimement uni dans son mariage, voulez-vous le dire maintenant? Qui est uni autrement que l'on autorise la parole de Dieu, le mariage n'est pas légitime. Mon frère, il y a-t-il un problème pour pouvoir empêcher que l'on continue devant Dieu, devant son Père? Parce que s'il y a quelque chose de caché, vous répondrez pour cela au jour du jugement. Y a-t-il un problème? Il n'y a aucun problème. Je vous remercie. Maintenant, voyant que vous avez considéré de façon juste cet engagement solennel de
vous êtes sur le point de prendre. Vous avez considéré de façon juste cet engagement solennel que vous êtes sur le point de prendre et que vous vous êtes préparé pour y entrer. Y entrer avec quoi? Avec discrétion. Avec sagesse. Et dans la recte de Dieu. Je vais vous proposer maintenant le pacte de mariage. Vous allez déclarer la même chose pendant que vous faites ce pacte à l'autel dans la présence de Dieu. Initiez votre droit. Mon frère, avec votre prière, voulez-vous avoir cette fille comme votre femme de mariage légitime? Pour vivre ensemble dans ce sein état de mariage. Oui, maman. Déposez vos deux anneaux sur la Bible du serviteur de Dieu.
Nous avons sur cette ville des annonces. Car vous voyez ces jeunes ou n'importe qui avec un anneau, ou n'importe qui, se poursuivier qu'il appartient ou qu'elle appartient à quelqu'un. La personne. Que ces annonces prouvent que dès maintenant, quiconque verra le jeune homme, toute jeune fille, s'éloigne de lui. Il voit que cet homme, ce garçon, a déjà fait un pacte avec une femme pour toute sa vie. De tout jeune garçon s'éloigne d'elle. Il s'appartient déjà à elle. C'est pourquoi je demande au couple de tourner ses regards trois face à face. Je demande au frère de prendre la mort de son épouse. Je demande au frère de prendre la mort de son épouse. Et de lui mettre le pouvoir. Toi qui avais ordonné le mariage. Quand tu as créé Adam dans le jardin d'Éden, et qu'il était seul, tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable à lui. Et tu l'endormis d'un profond sommeil. Tu pris une côte de ses côtes et une chair de sa chair. Et pourment une femme. Et quand il s'est réveillé de son profond sommeil, il a regardé en face de lui. Il s'est écrié, voici maintenant celui qui est os de mes os. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'eau. Tu étais le seul Seigneur à les unir. Personne d'autre n'était là par terre.
Et la parole dit, ce que Dieu a uni, personne ne peut le désigner. Et nous croyons au Seigneur Jésus. Ces jeunes couples, ces garçons et cette fille, avec leurs mains jointes, ils les ont déposés sur cette Bible, sur ta parole. C'est ta parole qui les unit, Seigneur. Père éternel, qu'il n'y ait aucune puissance pour les désunir. Accorde-le, Seigneur.
bénis pour ton peuple maintenant. Bénis ce qu'on dit, ça va être au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous direz dans quel moyen Dieu sort. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel m'a donné pour être son serviteur, je vous déclare maintenant, vous êtes époux et épouse. Dieu vous bénisse. Je demande maintenant. Depuis toujours, la serre n'avait pas de tête. C'est maintenant qu'elle va découvrir sa tête. Je demande au frère de donner l'enfant qui voit son épouse. Thank you.
Jésus, alléluia. O bandi kosopa, kuna na kare, yo ana ukei, ti otie mongete, e jali malamu. Kasina ekipe oyo, ekipe oyo ya nkolo Yesu. Pesa pasi, pesa pasi. Isano, ebeta maka. Pesa pasi, pesa pasi. Na sisteme ya katapase. Pesa pasi, pesa pasi. Na sisteme ya kabola mkeno. Pesa pasi, pesa pasi. Katapase, katapase. Pesa pasi, pesa pasi. Pesa pasi, kabola mkeno. Nyonso se na yo Olingi bapeta bravo Se epai na yo Kasi na ekipe oyo Oyo ya nkolo Yesu Ezaje ya kata pase Esa pase, esa pase Esa noyo Kabola mkembo Esa pase, esa pase Kata pase, kata pase Esa pase, esa pase Tango nyonso baloba se na yo baloba bulamu se ya yo soki batangi ndeko ndeko mosusu motema etondi likundu pesa pasi pesa pasi na ekipe oyo ya nkolo Yesu pesa pasi pesa pasi ezali sisteme ya kata pasi pesa pasi pesa pasi Sali sisteme ya kabola nkembo Esa pasi, esa pasi Oyo kuna ati Mosusu aso bimai Mosusu a bondeli Zambe asali pika mwa Nyoso wana mpona Lokumu na Yesu Na ekipe kuyo ya nkolo Yesu Esa pasi, esa pasi Kata passe moninga tikabu Esa passe, esa passe Nyo son pona lo kumona yesu Esa passe, esa passe Dans l'équipe de Jésus On ne joue jamais Un jeu individuel C'est le jeu collectif Cherche à donner à celui qui est mieux placé Kata passe kabola